suis pas trop maquillée comme ça? Hein? T'aimes pas quand je suis trop maquillée? Ça va là? Mais oui, t'es superbe. C'est qui cette fille? C'est Justine, la fille qui habitait là avant. C'était ta petite amie? Ouais. Il y a longtemps? Non, quelques semaines. Elle est partie ou tu l'as mise dehors? Elle est partie et elle m'a laissé l'appart. Voilà. Sympa. Très sympa. Et c'était sérieux entre vous? Bon, écoute, on va parler d'autre chose, hein. Pourquoi? Ça te gêne? Non, mais... ça fait partie de mon passé, et puis c'est fini, c'est terminé, voilà. Pourquoi est-ce que tu laisses ces photos sur le mur, alors? Pour tout te dire, j'ai oublié de les enlever, voilà, c'est tout. Ça te dérange pas que je les décroche? Non, 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 non. Tu veux garder les cadres ou je balance tout à la poubelle? Bon, on va garder les cadres, hein. Et puis laisse. Je m'en occuperai, laisse. Ok. Bien. Je t'apporterai des photos de moi si tu veux. Enfin, si ça te dérange pas, bien sûr. Non, non, non. Je t'ai préparé un petit café, hein. C'est gentil, mais je bois du thé le matin. T'en as? Ouais, ouais, je vais te préparer ça, hein. Il est sympa, cet appart. Mais tu devrais changer la déco. C'est un peu vieux comme ça. Ah ouais, tu trouves? Ouais, c'est tristounet. Bah, écoute... je ferai ça quand j'aurai le temps, hein. Je pourrais t'aider à le faire si tu veux. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu sais que tu m'as dit plusieurs fois je t'aime cette nuit? Ouais, ouais. Et... tu dis ça à toutes les filles avec qui tu passes la nuit? Bien sûr que non. Et t'en as eu beaucoup depuis Justine? Non, il n'y a eu que toi. C'est bien vrai? Si je te le dis. Excuse-moi. Salut Tony! Dans mes bras, camarade! Comment tu vas? Eh ben écoute, ça ira mieux quand t'arrêteras de me broyer. Ah, que je suis content de te voir, toi. Moi aussi. Bonjour! Vous devez être Justine. Anthony m'a souvent parlé de vous, hein. J'espère que vous vous êtes pas mariée sans prévenir, tout de même. Non. Et puis je suis pas Justine. Ah, j'ai fait une gaffe, là, non? C'est pas grave. Excusez-moi, je suis navrée. Non, non. Bon, je vous laisse, je suis en retard. Attends, tu pars déjà? Ouais, ouais. C'est pas moi qui vous fais fuir, au moins. Pas du tout. Je vous laisse vous retrouver entre mes camarades. Bon, bah, tout à l'heure, hein. Ouais. Je sais pas. Appelle-moi. Patricia. Au revoir, Albert. Au revoir, mademoiselle. Non, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que cette Justine est encore un peu trop présente dans ta vie, à mon goût. Alors, rappelle-moi quand t'auras fait le ménage, d'accord? Bah, je suis vraiment désolé, vieux, hein. T'es toujours aussi gaffeur, toi. Ouais, surtout en ce moment. Faut pas m'en vouloir, mais je suis un peu à côté de mes pompes. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis disputé avec ma copine. Alors j'ai décidé de quitter le Havre, de changer de vie. J'en avais marre de vendre des hamburgers. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais trouver un boulot. J'ai juste besoin de me loger quelque temps. D'ailleurs, à ce sujet, tu pourrais pas dépanner un vieux copain du Havre? Évidemment, Albert. Oh, merci, quoi, je t'adore. Allez, dans mes bras. Allez. Hey, tu sais que t'es mon meilleur pote, toi. Ouais, ouais, hein, toi tu aussi, le sais, toi aussi. Hein. Bon, allez, hein, faut que j'y aille, moi. Faut que j'aille bosser, là. Non, mais attends, je viens avec toi. Ah, me laisse pas seul, Anthony. Quand je suis tout seul, je gamberge trop et c'est pas bon pour moi, tu sais. Ah, dis-moi, c'est ta rupture qui te rend comme ça? Ouais, m'en parle pas, c'est un drôle de coup qui m'arrive là. Bon, allez. Bien. Merci. Mais t'inquiète pas, hein, je saurai me tenir. J'espère bien, Albert. Allez. Virginie, j'ai besoin de ton avis, là. Je voulais savoir si le pull va bien avec l'ensemble, avec le costume. Oui, oui, bah oui, oui. Avant de me dire oui, tu pourrais regarder, au moins. Voilà, tu vois, je sais pas si le V, le blanc, là... C'est comme... super. Ouais, super, comme ça, t'es très beau. Ah bah, tant mieux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je travaille. Enfin, j'essaye de travailler. Tu m'as fait du café aussi pour moi? Du café? Non, j'ai oublié, excuse-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas loin à faire.
Dis-moi, je me posais la question aussi de savoir si mes chaussures allaient bien avec l'ensemble. Bon, elles sont noires, hein, comme le reste, mais je me dis que peut-être que... Pourquoi tes chaussures? Qu'est-ce qu'elles ont, tes chaussures? Bah, tu vois, regarde, je sais pas, c'est... C'est très bien comme ça. Ouais. C'est parfait. Ouais, c'est super. Ah bon. Et tu vas où comme ça, je peux savoir? Bah, je vais travailler, je vais à la salle de sport, enfin, comme... Oui. Tu vas à la salle de sport? Ouais. Mais tu vas te changer à la salle de sport. Alors pourquoi tu fais une histoire de ta tenue vestimentaire? Virginie, c'est pour toi. Tu dis toujours que je m'habille n'importe comment. Alors là, pour te plaire, j'ai voulu faire un effort et je me suis dit maintenant, je ferai un effort chaque fois. T'es le plus beau comme ça. Je peux travailler maintenant? Oui, un petit bisou et je te laisse tranquille. J'y vais. Ok. Alors, je te plais, c'est sûr. Hein, Oh oui, c'est magnifique. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Virginie est là, s'il vous plaît? Oui, Virginie. Salut. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais c'est incroyable. Tu vas bien? Mais super bien. Mais c'est génial. Je te dérange pas? Mais non, pas du tout, pas du tout. Je te présente Luc, enchanté. Ben, moi de même. Mélissa, c'est une copine de Toulouse. Mais pose ton sac, hein. Ah. Merci. T'arrives de Toulouse, là? Non, non, en fait, j'habite plus Toulouse depuis un petit bout de temps. J'ai pas mal bougé ces dernières années. Oh, mais je te dérange pas, j'arrive à l'improviste, mais non, là. Pas du tout, pas du tout, vraiment. Mais si, oui. J'avais ton adresse, mais pas ton téléphone, donc comme j'étais dans le coin, je suis super contente de te voir, en tout cas. Ah, et moi donc. Ah, ça me rappelle tellement de choses. Bon, écoutez, les filles, moi, je dois aller travailler. Il faut que j'y aille, là. Ok, je vous dérange pas, au moins? Mais non, pas du tout, pas du tout. Vraiment? Non, pas du tout, pas du tout. Virginie, oui. J'y vais, à plus tard. Ok, à tout à l'heure. Et puis, révise bien, c'est super. Oh, ouais. Allez, bonne journée. Au revoir. Bon, alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, en fait, bon, je suis un petit peu en galère, quoi. Je vais m'installer chez une copine et entre-temps, elle a rencontré un nouveau fiancé. Alors, bon, maintenant, je suis un petit peu de trop, tu vois. Ah, d'accord, sympa la copine. Je la connais? Non, non, c'est une copine mannequin. Oh, mannequin, attention. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis montée à Paris, pour devenir mannequin. C'est vrai, mais c'est génial. Et j'ai des super photos, tu veux les voir? Bah, bien sûr, je veux les voir. Tu veux un café avant? Ah, oui, je veux bien, merci. Bon, mets-toi à l'aise, hein, fais comme chez toi, Mélissa. Enfin, si je comprends bien, t'es à la rue, quoi. Bah, un peu, oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais te demander si éventuellement tu pouvais m'héberger un petit peu. Bah, écoute, moi, ça me ferait super plaisir, mais il faut que je demande à Luc, je suis pas toute seule. Oui, bien sûr, mais tu sais, c'est juste histoire de 2-3 jours, pas plus. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. Oh, merci. Merci, ma puce. Je savais que je pouvais compter sur toi, vraiment. Écoute, on verra ça. Bon, j'essaierai de me faire toute petite. Oh, ça sera difficile, je pense, hein. Voilà. Quoi? Salut les filles. Salut. Oh, des jumelles. Bonjour, Albert, un ami d'enfance du Havre. Salut Albert. Bonjour. Oh, des jumelles. Aussi jolies l'une que l'autre. Oh, je suis sous charme. Qu'est-ce que vous êtes belles toutes les deux. Merci, c'est gentil. Ah non, mais vraiment, hein, je suis tétanisé, ébloui, complètement fasciné. Ouais, allez, hein, calme-toi Albert, c'est... Hein. J'ai jamais vu des jumelles aussi mignonnes que vous. Hein. C'est un drôle de baratineur, ton copain. Ah non, mais je vous jure que je suis sincère. Mais vous vous rendez pas compte, vous êtes un de mes rêves, vous représentez un de mes plus beaux fantasmes. C'est-à-dire? Bah tenez, si je pouvais me couper en deux, eh ben je vous offrirais 50 kilos chacune. Et qu'est-ce que l'on ferait? Bah oui, c'est un peu léger, 50 kilos. Eh ben 60 alors, je grossirais un peu plus pour vous plaire. Bon, ça y est, t'as fini. Albert et ses jumelles, oh là là, je vois ça d'ici. On m'envirait, je serais connu comme le loup blanc, on me demanderait des autographes. Ah, oh, j'aurais un succès fou. Ils sont tous comme ça, ouais. Non, 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 je crois pas. Enfin, lui, c'est un cas à part. Et qu'est-ce que vous buvez? Ce que vous voudrez. De café. Et Albert, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis monté à Paris pour réussir, bien sûr, pour faire fortune, comme dans les contes de fées. Mais surtout pour vous rencontrer, pour faire la fête avec vous, pour vous offrir des bijoux, hein? Des robes, pour vous inviter dans les plus beaux restaurants. Albert, hein? Tu me saoules. Voyons, Anthony, il n'est pas romantique pour un sou. Il comprend rien, genre de choses. Et sérieusement, tu vas réussir dans quoi, exactement? Ben, dans la chanson ou à la bourse, peu importe. Je suis un artiste, moi, mademoiselle. Je suis né pour créer, pour faire fortune, pour vous couvrir d'or. Il est fou, ton copain. Oui, oui, c'est le mot, ouais. Tiens, bah, voilà ta copine, Anthony. Oui, alors toi, tu restes là. Hein? Non, 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 discute pas, tu restes là, compris? Pas de danger, je quitte plus mes petites jumelles, hein. Je vous lâche plus, les filles, vous êtes trop mignonnes. Hé, hey, je pourrais vous servir de garde du corps. Ou alors, tiens, je pourrais vous donner un coup de main pour le service. Je vous défendrai contre vents et marées. Oh, pour ce qui est des vents et des marées, il n'y a pas beaucoup par ici, hein. T'en gâté. Hé, hey, vous m'aimez? Comment? Vous m'aimez un petit peu? Je veux dire, vous me trouvez sympathique? Ah oui, oh, oh, oui. Oh, oh. Vous voulez m'adopter? Ah, bien sûr! Ah, ben voilà, je suis un homme comblé! Nous aussi, Albert! Eh ben, qu'on me donne un couteau, je me coupe en deux tout de suite! Non, j'ai pas envie de te voir pour le moment.
veut dire que tu regrettes ce qui s'est passé entre nous deux? Pas du tout. Mais j'ai pas l'impression que tu sois vraiment libre. Et si je te dis que oui? Ça. Les photos de ton ex sur le mur, ton copain qui vous croit marié. Écoute, tout ça c'est fini, c'est oublié, c'est terminé, d'accord? Bon, je dois aller travailler, tu m'accompagnes à la salle de sport. Pourquoi faire? Je ne veux plus entendre parler de tes ex, d'accord? Ok, c'est pour moi. On y va? Okay. Je vais juste dire au revoir aux filles et je paye mon café, d'accord? Bon, je dois aller travailler, moi. Ok, je te rejoins tout à l'heure. Et ton café, Anthony? Là, je vais le boire. Bonjour, Anthony. Salut, les filles. Salut, salut. C'était qui la fille avec Anthony? Oh, non, c'est rien, Sandra. D'accord. Hey, mademoiselle? Oui? Moi, je sais qui c'est. Ah bon? Et vous êtes? Je suis un ami d'enfance d'Anthony. Ah, intéressant, hein? Je m'appelle Albert. Et pour ce qui est d'être intéressant, je me pose là. Vous pouvez me faire confiance. Eh bien, enchanté, Albert. Je suis ravie de rencontrer un ami d'enfance d'Anthony. Hein. Mais c'est la première fois que je vous vois, non? Ouais. Je viens du Havre. Je suis monté à Paris pour faire fortune. Ah, mais c'est très bien, ça. Uh-huh. On s'assoit, on va discuter un peu. J'arrive. Oui. Vous inquiétez pas, les filles, je suis pas loin, hein? Bon, voilà. Je te laisse maintenant, faut que je file. Tu repasses me voir après tes cours? Tout à l'heure. Ok. Tiens, Anthony, ça pulse. Salut. Ah, maman dit pépère, t'as l'air rêveur sur ce coup-là, non? Ouais, j'ai rencontré une fille superbe. Hein? Encore? Ouais, elle raconte la chance. Et Malouk est pas arrivé? Ah si, si, il est avec Virginie en train de faire visiter la salle de sport à une de ses copines, enfin bon. Comment ça, visiter la salle? Elles veulent l'acheter ou quoi? Non, non, c'est parce qu'elle est curieuse. Anthony, c'est une grande blonde, je te dis que ça, là. Oh, le truc, t'es... Ah, ah ouais, elle est grande. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut. Je vous présente Mélissa, une amie d'enfance. Elle vient d'arriver ce matin. Elle aussi? Comment ça, elle aussi? Non, non, rien, laisse tomber, je t'expliquerai. Ah. Bonjour. Bonjour. Anthony, je vais pas te bousculer, mais t'as un client qui t'attend à la salle de combat. Oui, bah ça va, y a deux secondes. J'ai pas le feu au lac, comme on dit. Bon, bah on y va, nous, hein. Dis donc, il est vachement mignon, ton copain Anthony. Il est célibataire? Oui et non, enfin c'est un peu compliqué, je t'expliquerai. Hein, on y va? Bon, on peut pas rester un petit peu, s'il te plaît? Non, non, je dois aller à la fac. Allez, on y va. Bon, ok. Au revoir, Anthony. Tu pars déjà? Malheureusement, oui. À plus tard. À plus. Ciao. Ciao, ciao. Allez, on t'en fait une tête, toi. Encore un squatteur. Mélissa? Ouais, dans un style, je viens d'arriver sur Paris, je sais pas où aller... Ah voilà, viens s'installer chez nous. Eh ben moi, il m'arrive le même truc, toi. Ouais. Il y a mon vieux pote Albert, pote du Havre, qui vient s'installer chez moi, tu vois. Ah ouais? Sauf que moi, j'ai moins de chance que toi, parce que il est beaucoup moins esthétique, et puis en plus, il est gaffeur, toi. À peine arrivé, il m'a déjà mis en embrouille avec Patricia. Patricia, c'est qui? C'est une nouvelle? Ouais, mais franchement, c'est une fille très très bien. Ah ouais. Hé, hey, au fait, Luc, je voulais dire, par rapport à mon studio, moi j'ai de la place, alors la copine de Virginie, hop hop hop. Hop hop hop, ouais. Et comment t'es au courant, Harry? Tu écoutes nos conversations? Bon non, attends, Luc, pas du tout, c'est-à-dire que quand tu parles, t'as la voix qui porte. Sacré Harry, ouais. Alors écoute, si tu veux, moi tu peux t'en occuper, ouais, au contraire, ça me va me débarrasser, ça me faire un peu d'air, tu vois. Terrible. Mais par contre, pour ça, il faut que tu vois Virginie, parce que c'est quand même sa copine, tu vois. Ah ouais, y a pas de problème, moi tu sais, les grandes bombes, c'est mon truc, hein. Tant mieux, tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a plus de surface. Ça... Dis-moi, quel caractère il avait quand il était petit? Oh, tu sais, il a toujours été très, très honnête. À chaque fois que j'avais des embrouilles avec des types, il était toujours là pour moi. Mmh. Mais t'es pourtant plus costaud que lui. Hein. Ouais. Mais moi, je suis un non-violent. Mmh. Et il courait déjà les filles? Tu me demandes s'il courait déjà les filles et tu veux rire? Il avait un succès fou avec les filles. Elles étaient toutes amoureuses de lui. Un vrai délire. Ça m'étonne pas, ouais. Mais dis-moi, pourquoi tu me poses toutes ces questions sur Anthony? Je voudrais lui faire une petite surprise. Ah ouais? Quel genre de surprise? Un article. Enfin, un grand article. Alors, il faudrait des renseignements sur son enfance. Ah ouais?
un article sur Anthony. Eh ben, il en a de la chance. J'aimerais bien qu'on en fasse un sur moi. Ça viendra peut-être un jour. Mm-hmm. Mais dis-moi, c'était qui la fille avec lui tout à l'heure? C'était sa fiancée, je crois. Elle s'appelle Patricia. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Elle était chez lui quand je suis arrivé ce matin. Elle avait dormi chez lui? Ouais, enfin, je crois. Enfin, j'en suis sûr, presque. Mm. Mm. Encore une nouvelle conquête, quoi. Ouais. Enfin, là, ça a l'air sérieux, quand même. Hein. Tu vois, j'ai senti quelque chose. T'es sûr? Bah, écoute, quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait une gaffe. J'ai parlé de Justine. Il l'a pas trop bien pris. J'en ai déduit qu'il tient à elle. Pas bête, Albert. Mais alors, il y en a là-dedans. Ouais. Et dis-moi, tu serais d'accord pour me donner d'autres renseignements? Et pourquoi pas? Bah, attention, hein, discrètement, c'est une surprise, alors. Bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas me prendre quelques photos de lui et de sa fiancée. Discrètement, hein. Bien sûr. Hein? Puis on se connaît pas tous les deux, d'accord? D'accord. Hein? Tu peux compter sur moi. Merci, t'es un chou, Albert. Merci encore d'avoir accepté de m'héberger. C'est super sympa, vraiment, Virginie. Bah, attends, c'est normal, je vais pas te laisser tomber quand même. Par contre, tu pourras pas rester trop longtemps à la maison, c'est pas grave? Non, bien sûr, je comprends. Non. Dis-moi, ton copain Anthony, il est célibataire? Tu l'aimes bien, Anthony, non? Ouais, il est vachement mignon. Oh, mais je croyais que t'avais un fiancé, je me trompe? Ouais, mais j'ai rompu. On se disputait trop, c'était plus possible. Alors maintenant, bah, je suis un cœur à prendre. Mais bah, dis tout. Attention. Salut, je suis déjà prêt. En tout cas, c'est très gentil d'être venu me chercher à la fin de mes cours. Alors, Albert, la capitale, c'est comment? Génial. C'est une ville formidable, Paris. Hein. J'ai rencontré des tas de gens sympas depuis que je suis arrivé. Je sens que je vais me plaire ici. Hein? Je sens que cette ville, elle est faite pour moi. Grande, large, à mes dimensions, quoi. Eh, c'est pour ça que je m'y sens mal, moi. Bah ouais, mon garçon, tu devrais manger un peu plus. Bientôt, on va plus te voir. Enfin, Harry, c'est un peu différent. Non, c'est pas ça, c'est les soucis. Harry a beaucoup trop de soucis. Mais qu'est-ce que t'as, Harry? Ah, moi, c'est les femmes, c'est l'enfer. J'ai l'impression qu'elles me voient pas, moi. Mais c'est ce que je te disais, faut que tu manges un peu plus. Regarde-moi. On peut pas me louper, je suis incontournable. Ouais. Bon, s'il te plaît, Luc, faut que je prenne des photos. Tu peux me cacher un petit peu? T'es gentil? Ça va pas être facile, attends, tu. Ouais, ok, attends, bouge pas, je vais mettre. Tu veux me prendre en photo, c'est ça, non? Non, toi, t'es tellement maigre que je suis sûr que t'imprimerais même pas la pellicule. Sacré Albert, tu vas me mourir, hein. C'est terrible, là, Albert. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fiches, toi? Tu veux prendre des photos d'Anthony, c'est ça? Oh non, mais rassure-toi, c'est pas pour moi. C'est pas ce que tu penses. C'est pour une copine de la fac que j'ai rencontrée ce matin. Attends, attends, oh, qui ça? Oh, je sais pas, une fille super sympa. Elle voulait faire une surprise à Anthony. Alors bon, faut que je sois discret. Tiens, t'es là, t'es gentil. Attends, Albert, s'il te plaît, cette fille s'appellerait pas Sandra par hasard? Ouais, enfin, je crois que c'est ça, ouais, Sandra, ouais. Enfin, une fille très gentille, vraiment. Ouais, alors Albert, tu laisses tomber les photos, tu t'es fait avoir. Hein? Ouais, Sandra, cette fille-là, on la connaît tous. C'est une vraie gare, c'est une photeuse de merde. Tu me suis? Bah attends, je comprends pas, elle voulait faire un grand article sur Anthony, elle avait l'air de bien l'aimer. Oh mais elle l'aime bien, ouais, elle est folle de lui même. Mais c'est pas réciproque, tu vois, elle arrête pas de lui faire des ennuis. Et je suis sûr qu'elle va servir des photos pour faire un article assez méchant sur lui, sur ton meilleur ami. Alors laisse tomber. T'es sûr? Attends, Albert, si je te le dis, je suis certain. Bon Harry, rigole ou quoi ton pote? Ah non, hey. non, moi quand je ne suis pas convié à une conversation, j'y participe pas. Oui, attends, s'il te plaît, Albert. C'est bien, t'as bien retenu la leçon, s'il te plaît, tu lui dis quand même que qui est Sandra? Bah c'est clair, il a raison, c'est une foutue garce. La reine des ragots, c'est clair. Ah d'accord. Ah si je comprends bien, je suis encore passé à deux doigts de la catastrophe. Je sais pas ce que j'ai moi, mais j'arrête pas de gaffer en ce moment. Ouais, ça doit être mon chagrin d'amour, quoi. Ça me perturbe, je sais. Attends, tu as un chagrin d'amour, Albert? Bah ouais, ça se voit pas. Non. Non, t'as l'air plutôt en forme, pour ce coup. Non, mais là, c'est rien, d'habitude je pète le feu, moi. Ah bah dis donc, qu'est-ce que ça doit être, hein? Bon, bah j'y vais. Attends, tu vas où? Je suis pas un violent, moi. Mais j'ai horreur qu'on me prenne pour un imbécile. Elles étaient vraiment très bonnes, tes pâtes, Virginie. Bah merci. Luc adore les pâtes, d'ailleurs. Hein? Oui, j'ai pas trop le choix, en fait. C'est vrai que j'en mange des tonnes avec Virginie. Parce que c'est rapide et puis c'est bien nourrissant, n'est-ce pas? Mmh. Il vaut mieux se dire ça, hein. Ouais. Dis-moi, Mélissa, je vais te poser une petite question, là. Tu penses rester combien de temps, ici? Attends, mais ça va, Luc, ou quoi? C'est juste une question, je sais pas... Bah, en fait, pas très longtemps, 2 ou 3 jours, pas plus, ça ira. Ah, 2 ou 3 jours, c'est parfait. Non, je te dis ça parce qu'avec Virginie, on a besoin de se retrouver un petit peu, d'être tranquille un petit peu, et... Enfin, je veux dire, tranquille... Ouais, je comprends ça.
Ça va pas, Mélissa? Si, 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 si. Bravo, bravo. Je suis désolée, enfin, je voulais pas te faire de peine, Mélissa, en disant ça, je voulais simplement te... Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je pense à mon fiancé. C'est dur, vous savez. Excusez-moi, je vais dans la salle de bain 2 minutes. La pauvre, écoute. Oui, peut-être que j'étais un peu direct, j'ai pas été très diplomate en lui posant cette question-là, mais c'était juste une question, tu vois, je voulais... Ça, c'est sûr, t'as pas été très fin, oui, ça, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas à cause de toi qu'elle peur vient de te le dire. Oui, c'était à cause de son fiancé, j'ai bien... Enfin, si j'ai bien compris, elle était très amoureuse de lui, puis ils se sont disputés. Je crois qu'elle l'a pas trop oublié, quoi. Ouais, bah moi, j'y suis pour rien, hein, qu'il y retourne, et puis voilà, hein. C'est tout ce que tu trouves à dire? Non mais t'es dingue toi. Quand est-ce que tu vas t'arrêter un petit peu là? Oh Virginie, franchement, s'il te plaît, je suis... Ouais. J'y suis pour rien moi, c'est... Salut Luc, ça va? Albert! Je dérange pas? Non, non, non. De toute façon, je reste pas. Je venais juste te dire que j'étais passé faire un saut dans le bureau de Sandra à la fac. Ah ouais? Et alors, comment ça s'est passé? Bah, je crois qu'il leur faudra une petite semaine pour te remettre en ordre. D'accord. Quand t'as mis s'embrouille, là, tu sais? Ouais. Je l'ai accroché à un porte-manteau dans un des couloirs de la fac. Ouais. Et quand je suis parti, elle avait encore les pieds qui battaient dans le vide. Génial, j'aurais aimé voir ça. Et bah, tu sais quoi? J'ai pris des clichés. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Tu les veux? Ah, super, ouais, on peut en faire les tracks et les distribuer à la fac. Ça lui fera les pieds à cette garce. Ouais. Bon, écoute, je me sauve. Anthony m'attend. Okay, ok, salut Albert. Ciao. Albert? Ma petite sauterelle. C'est bien toi? Mon petit Albert. Ah, oh, ma colombe. Est-ce que t'es belle? Oh. Dites les amis, vous connaissez pas un petit hôtel confortable, pas trop loin d'ici? Si. Ouais? Oui, bah justement, vous y conduisez, il y a plein d'hôtels. Allez, on y va. Viens, ma chérie. Prends ta veste, hein, on y va. Ok, parti.